Yep les gens, c'est Gotix. Alors j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part, je vais super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve officiellement pour ma toute première vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. Je joue sur la bêta de la PS4, comme vous pouvez voir, parce que je le sors, je vais sortir ce gameplay, la vidéo sûrement samedi 22. Donc voilà, donc je suis sur la bêta de BO3 sur PS4. Donc j'ai pu y jouer à la bêta qu'à partir de vendredi midi, car je suis rentré de vacances jeudi soir. Le temps que je télécharge, j'ai pu y jouer que vendredi midi. Et depuis vendredi midi, je ne lâche plus du tout ce jeu. C'est vraiment un jeu de malade mental. Il est vraiment trop bien. Je vous dirai quelques petites choses qui me chagrinent dans ce jeu, mais je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc là, je vais vous poser un peu le décor et tout, et je vais vous dire un peu de ce que j'en pense pour l'instant de cette bêta, du moins de ce jeu de version bêta et pas de la version définitive. Donc là, c'est sur la map... je sais plus, je crois bien que c'est Hunted ou un truc du genre Hunted. Là, l'arme, c'est l'espèce de Scarel qu'on avait sur MW3 et BO2 en modifié, bien sûr, parce que BO3 est un peu plus futuriste que Black Ops 2, mais encore mieux que cet ancien Call of Black Ops 2. Je trouve cette arme vraiment vraiment bien. Elle est puissante, elle tire de loin. En plus là j'avais un silencieux, donc fallait que je mette quand même plus de balles. Et je trouvais que je tuais quand même assez rapidement. Je ne dis pas qu'elle est cheatée, elle est pas du tout cheatée, parce que des fois il va falloir deux balles. Enfin pas deux balles. Des fois il va falloir aller sur 30 balles, on va dire, il va falloir peut-être 12, 13 balles pour tuer un mec. Alors que des fois il va en falloir 25. Donc voilà, c'est un peu aléatoire et c'est ça qui est bien, ça donne un peu de piment sur ce jeu. Ça donne voilà du niveau, c'est vraiment bien. J'ai oublié de vous dire, là je suis en R&D, je fais une game vraiment potable, c'est pas ma première game. Parce que mes premières games en fait sur Black Ops 3 quand j'ai rec, en fait ça m'a pas rec le son. J'ai eu un petit souci, ça m'a rec le gameplay, mais ça m'a pas rec le son. Donc vous aurez des vidéos, vous aurez une ou deux vidéos sans son. Donc voilà, donc je m'en excuse d'avance, mais bon, je le dirai dans la vidéo. Je le dirai dans les vidéos suivantes où il y aura les gameplays sans son. Donc voilà, donc moi pour l'instant ce jeu, franchement, j'accroche un truc de fou. Il est vraiment bien, en plus pour une fois on a une bêta, enfin c'est la deuxième bêta qui sort sur Call of Duty. Et je veux dire, ils ont vraiment été gentils les développeurs, ils nous ont mis déjà plein de modes différents liés à la liaison, R&D, capture de drapeau, démolition, demi, MME, EC, point stratégie. Il y a ces 7 ou 8 modes de jeu. Ensuite les armes, on a vraiment été gâtés, il y a toutes les armes. Bon, il faut les débloquer avec les niveaux. Donc c'est normal, vous allez me dire. Pense un petit point, c'est que les armes, on débloque 6 armes, on va dire fusil d'assaut, SMG, il y a 3 fusils d'assaut, 3 SMG qu'on débloque au début. Et après voilà, après faut être niveau 22 pour débloquer la prochaine SMG ou le prochain fusil d'assaut. Je me souviens plus exactement. Donc voilà, donc ça pense, je trouve ça un peu dommage que les armes se débloquent un peu loin, quoi. C'est pas on va dire au fur et à mesure, tous les 7-8 niveaux on débloque une arme, on va dire tous les 10 niveaux qu'on débloque une arme SMG et fusil d'assaut. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage sur ce point là, mais bon, je vais pas plus vous en parler, ça je vous ai dit que je ferai une autre vidéo. Mais voilà, mais sinon on va dire au niveau de ce qu'ils nous ont fourni, les atouts, il y a tout, les séries de morts, les
ce qu'on débloque dans la partie, je me souviens plus, je viens de perdre le nom. Les killstreaks, voilà, ils nous ont vraiment tout mis, bon, faut débloquer. Une chose positive aussi, c'est les points, les jetons de déblocage. Ça, c'est bien qu'ils ont remis ça. Voilà, bah, pour l'instant, c'est vraiment. Ce jeu, c'est vraiment une tuerie. J'avais vraiment hâte d'y jouer. Ça fait toute la semaine là, quand j'étais en vacances, quand je me suis dit putain, mercredi la bêta elle sort, mais je rentre que jeudi, je pourrais jouer que vendredi. Donc putain, ça m'a un peu déprimé. Mais vu comme je sais que je vais pouvoir y jouer sur One et comme certains, moi je suis content de pouvoir jouer sur les deux consoles parce que j'ai les deux consoles. Après, il y en a qui vont être un peu dégoûtés parce que soit ils ont que la One, que la PS4, donc ils vont pouvoir y jouer que sur One, ils n'ont pas pu y jouer sur PS4 ou l'inverse. Donc moi voilà, moi j'ai la chance de pouvoir y jouer sur les deux consoles, donc je vais pouvoir jouer 5 jours encore, tous les jours, tout le temps, être à fond sur ce jeu. Voilà, je suis vraiment content de pouvoir y jouer sur les deux consoles. Ensuite, les maps, ils nous ont fourni, pour l'instant il n'y a que 4 maps, il y a Combine, Evac, Strum Gold, un truc du genre, et Hunted, il me semble que c'est comme ça, ou Hunter, enfin voilà, un nom du genre. Voilà, après pour l'instant c'est vraiment pas des maps qui m'attirent plus que ça, par la map dans la neige que je trouve vraiment bien. Evac aussi je la trouve bien. Combine, ça va, mais alors celle-ci j'accroche vraiment pas. Enfin le haut ça va quand on attaque sur le haut, mais après je veux dire quand on joue sur le bas vers la piscine, enfin vers la piscine et tout, enfin vers les, voilà, enfin sur le bas de la map, je trouvais ça un peu, j'ai pas bien aimé, enfin j'ai pas super bien aimé. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est déjà bien qu'ils nous ont fourni 4 maps, ils auraient pu nous fournir que 2 maps. Donc ça va, on a quand même le choix. Ensuite, bon, les serveurs, on sait tous que les serveurs, quand c'est une bêta, même quand c'est la sortie officielle du jeu, on sait très bien que la connexion est même moyenne, même pourrite, on va dire. Vendredi soir, les serveurs ont énormément buggé. Moi, pour trouver une partie, je devais éteindre la console pendant, quand je voulais faire une partie en MME. C'est-à-dire que j'éteins la console, que je rallume, que je lance en MME, je trouvais une partie, et dès que je voulais changer de mode, j'étais obligé de réteindre la console et de la rallumer et changer de mode pour trouver une partie. Donc c'était un peu relou, mais bon, ça va, aujourd'hui les serveurs sont revenus. Donc ça va, j'ai pu pas mal jouer. Donc là on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et là on va se retrouver jusqu'à la sortie de Black Ops 3 avec des vidéos, on va dire les trois quarts du temps, ça va être des vidéos de BO3, parce que je verrai qu'un maximum de vidéos. Même j'uploaderai des vidéos où il y a des défaites et des victoires. Comme ça j'aurai un max de vidéos jusqu'à la sortie de Black Ops 3. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye les gens.